À l'ombre de la grande ville, avec ses grands buildings, ses grosses affaires, ses grandes personnalités, se trouve ma ville, Tromaville. Une petite cité avec des petits immeubles, des petites affaires et des gens simples. Mon nom est Melvin Junko. J'habite dans un appartement avec jardin sur la décharge de Tromaville. Je suis le premier monstre héros du New Jersey. Hideusement déformé, j'ai une taille et une force surhumaines. Il m'appelle Toxic Avenger. Voici mon histoire. Il y a quelques années, les gens de Tromaville et moi-même avons réussi à écraser tous les criminels et à éliminer le mal et la corruption dans notre petite ville. En fait, Tromaville est devenu un endroit agréable à vivre. Sans criminels, sans politiciens tyranniques, les habitants de Tromaville étaient à nouveau heureux. À présent, ils étaient libres de se consacrer à leurs principales activités. Danser dans la rue, le tatouage, faire du jus d'orange, exterminer les parasites, regarder de bons films et danser dans la rue. Tous les gens importants pour moi vivaient à Tromaville. Ma mère. Si ta maman, Melvin. Ma psychanalyste freudienne. J'ai fait de nombreuses études sur mon étonnante personnalité. Et surtout, ma petite amie Claire. Bien qu'elle soit aveugle, son handicap ne l'empêche pas d'être une vraie intellectuelle. Maintenant qu'il n'y avait plus de crime à Tromaville, moi, super-héros, je n'avais plus de travail. Je n'avais plus de criminels à supprimer. Alors, j'ai pris un boulot de concierge au centre pour aveugles de Tromaville, où Claire passait la plupart de son temps. C'était la seule façon de joindre les deux bouts. Et Claire avait le genre de boue que vous aviez vraiment envie de rejoindre. J'étais aussi directeur athlétique du Centre des Aveugles, ce qui m'occupait pas mal. Mon travail consistait à organiser des jeux de croquet, planifier des promenades écologiques sur les toits et arbitrer des matchs de basket. En dehors de ma satisfaction pour ce travail, je dois admettre que j'étais plutôt déprimé. Le passage à tabac des criminels me manquait, l'excitation de frapper sur des brutes. Et puis un jour, nos vies ont été bouleversées. La paix et la tranquillité auxquelles nous nous étions habitués
ont été brusquement brisées. Claire, bonjour. Claire. Oui, Miss Bessieux, je suis là. Votre petit ami toxique, savez-vous ce qu'il a fait? Il est en train de faire fondre toute l'argenterie de la maison. Oh, chérie, inutile de mettre la teinte ce soir. Pourquoi n'essaies-tu pas de nettoyer le four? D'accord, chérie. Je suppose que tu veux aussi que je nettoie les toilettes. Oui, chérie, je te remercie. Aveugle, votre attention, s'il vous plaît. Le déjeuner est servi à l'intérieur. Toute personne non-voyante est priée de trouver son chemin jusqu'à la cafétéria. Pauvre Melvin. Il est si déprimé ces derniers temps. Sa psychanalyste dit que c'est important de sentir qu'on a besoin de vous. Mais il semble qu'il n'y ait plus de mauvais esprits à nettoyer désormais à ma vie. Ce n'est pas bon pour lui de se sentir inutile. Monsieur le Président, c'est la petite amie de Toxic Avenger. Il doit être à l'intérieur. Très bien. Je vais m'occuper de lui. Allez, vas-y. Je dois jouer. Et prends la reçue. Excusez-moi, mademoiselle. Oh, désolée. J'ai un paquet pour Toxic Avenger. Vraiment? Il travaille à l'intérieur. Pouvez-vous signer pour le colis, s'il vous plaît? Oh, bien sûr. Mais... Non, c'est ici. Ça suffira, merci. Oh, c'est quoi? À mon avis, ça doit être très, très important. Vas-y, tu peux y aller. Allons-y. Mais mon vieux, t'as vu comment j'ai démoli la vieille? Ouais, je dois avouer que tu l'as bien arraché de son fauteuil. Génial. Tu sais, on devrait demander une augmentation pour ce boulot. On l'a mis hors service, ce bâtard toxique. J'adore regarder les choses exploser. T'as vu ce feu d'artifice? Ah, cette fois, c'est la fin de Toxic Avenger. On est mal au ventre. Maintenant, on va régner sur la ville. Ouais. Ça va? Ah! Oh! Oh! Oh!
répugnant. Attrapez-le! Dépêchez-vous! Attrapez-le! Moi, trou du cul toxique. Attrapez-le. Allez. Finissez-en avec lui, allez. Attrapez ce toxique Avenger à la noix. Allez, sortez tout le monde. Allez, il est à vous. Allez, Billy. Toxique, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu m'entends? Hé, toi là-bas, viens ici que je te frictionne les oreilles. Hé, Toxique! Ouais, Kimo-san, je t'entends. Et toi, tu m'entends? La chance, c'est l'heure de ma leçon de piano. Prends ça, mon grand sauvage toxique. Ah.
c'était un de nos meilleurs hommes. Quelle tristesse. J'adore faire un peu de basket. Oh, oh, oh. Je ne sais pas, je veux dire, c'est vrai, il est grand, ça, on l'avait prévu, seulement l'âge. Je veux dire, il est organiser tellement... Organiser une réunion avec les directeurs et virer tout le personnel de ce département. Ah, 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 attention, il arrive. Ah. Oh, pauvre bébé. Ne pleure plus, je suis là. On va chercher ta maman. Oh mon Dieu, où est mon bébé? Oh, où est-il? Où est-il? Voilà, où est, madame. Où voilà. Est mon bébé? Il est là, votre bébé. Il était dans un arbre. Il va bien. Oh, merci, Toxic, merci. Oh, ils ont tué mon Melvin. Melvin, ils ont tué mon Melvin. Apocalypse chimique. Claire, Claire, Claire. Tu vas bien? Dieu merci, tu vas bien. Melvin, j'ai cru qu'il t'avait tué. Mais que s'est-il passé? J'ai senti une chaleur et un terrible bruit. J'ai senti une tête. Où sont les autres? Où est Miss Missley? Claire, ils ont tous été tués stupidement. Oh, Melvin, oh. Mais au moins, j'ai eu le pourri qui a fait ça. Melvin, tu es merveilleux. Oh, Claire. Claire pensait que j'étais merveilleux. Mais de l'autre côté du fleuve, dans la grande ville, il y avait quelques personnes qui n'étaient pas du tout du même avis. Le démon maniaque égocentrique directeur de la société Apocalypse, avec l'énorme puissance de sa multinationale de fabrication de produits chimiques, complotait contre moi pour me tuer et envahir Traumaville. Aussi longtemps que ce Toxic Avenger vivra, nous serons continuellement empêchés de réaliser nos projets. Ça veut dire que jamais nous ne pourrons gagner les cœurs, ni même les esprits de toute la population de Traumaville dont nous avons besoin. Sans la population, nous ne prendrons jamais Traumaville. Et sans Traumaville, nous ne prendrons jamais New York. Et si nous ne prenons pas New York, alors ce sera un immense fiasco. Président, nous ne pouvons pas le tuer. Nous avons utilisé assez d'explosifs pour faire sauter une ville entière. Et quand bien même nos explosifs n'auraient aucun effet sur lui, nous sommes la société de l'Apocalypse. Nous n'allons pas reculer sur un simple hors-jeu. Nous voulons relever le défi, au contraire. Écoutez ceci, messieurs. En ce moment même, notre service de recherche étudie ses origines et celles de sa force. Et nous trouverons bien un moyen approprié pour éliminer cet agitateur d'Avengers qui nous a toxiques. Et puis, ensuite, je me taperai cette pute blonde aveugle, sa salope de petite amie, avec ses longues jambes. Oh,
Et ses gros nibards. Oui, j'aimerais prendre ses cheveux et lui entourer autour du cou. Je voudrais l'étrangler jusqu'à ce que ses yeux en boule de l'eau qu'on lui sorte des orbites. Son vrai nom est Melvin Junko. Il n'était qu'un petit concierge dans un club de gym. Si vous vous souvenez, dans la bobine 2 du premier film, à la suite d'une stupide farce, Melvin est tombé dans un baril de produits chimiques. C'est la raison pour laquelle ce petit corps chétif s'est transformé en une hideuse créature, à la stature et à la force surhumaine. Et il devint le Toxic Avenger. Et c'est grâce à ces produits chimiques que Melvin a pu détruire tous les maux de Traumaville. Traumaville est en fait devenu un endroit où il fait bon vivre. Voyez-vous, les produits chimiques dans le corps de Toxic Avenger le font systématiquement réagir contre tout ce qui est mauvais. Nos scientifiques affirment que cela est dû à d'étranges particules appelées traumatons. Pour vaincre Toxic Avenger, nous devons détruire les traumatons qui sont dans son corps. Comment venir à bout des traumatons? La technologie. Et où trouvons-nous la technologie? Messieurs, pensez aux voitures, aux télévisions, aux Walkman. Le Japon! Tout le monde sait que si vous voulez aujourd'hui un produit qui fonctionne, il faut acheter japonais. Même les bandes dessinées, pourtant aussi scélérates que nous, n'ont de succès que s'ils proviennent du Japon. Nous avons donc fait appel à la section scientifique japonaise d'Apocalypse qui a travaillé à la question. Ils ont trouvé et mis au point un anti-traumaton. La solution finale est proche. Ce Toxic Avenger, alors, se fripera comme un pruneau séché. À propos de Bruno, sa chère petite chérie, oh, j'adorerais lui flétrir, lui racornir, lui ratatiner ses melons. Et après, je pourrais lui mettre les deux mains dans son... Une minute. Vous venez de dire que cette substance anti-traumaton est au Japon. Mais avons-nous un moyen de le faire venir jusqu'au New Jersey? Ce serait sans compter avec le fait que cette substance est très volatile. Mais nous avons élaboré un plan pour attirer Toxic Avenger sur place. Nous savons qu'il consulte régulièrement sa psychanalyste. Nous savons aussi qu'il lui fait entièrement confiance. La question est de savoir combien elle va nous coûter. Ce n'est plus un problème. De toute façon, nous aurons cette andouille. Et ce, quoi qu'il arrive. Voilà le genre de discours que j'aime entendre. Il faut le détruire. La correction que je venais de flanquer à ces voyous aurait dû me soulager. Mais dès le retour à la maison, j'éprouvais à nouveau des sentiments d'inutilité. Et je sombrais à nouveau dans une profonde dépression. Beaucoup d'aveugles étaient morts avant que je puisse faire quoi que ce soit pour les sauver. Je traversais une vraie crise émotionnelle. J'étais dans un tel état que Claire suggéra que j'aille voir mon psychanalyste 8 fois par semaine au lieu des 7 fois habituelles. Tu te sentiras beaucoup mieux. Melvin, je fais ton plat préféré. Ton plat préféré? Ta-da! Poulet à la Clorox. Ah oui, très bien. Melvin, tu dois vraiment recouvrir tous mes plats avec du drano avant même d'y avoir goûté. Excuse-moi, ok? Oh, je suis désolé, Claire. Je me sens tellement inutile. Oh, Melvin, tu as été merveilleux. La façon dont tu as éliminé ces hommes puants. Melvin, il y a encore de la racaille pour toi à éliminer à Traumaville. Plein de racaille pour toi. J'aurais dû être plus rapide. Tous ces innocents, tous ces aveugles qui sont morts. Je n'arrivais pas à sortir de cette dépression. En général, je me sentais mieux après le service de la messe du dimanche, mais pas cette fois-ci.
Ma psychanalyste avait attribué mes problèmes émotionnels au fait d'une carence paternelle dès mon plus jeune âge. Mon père ayant quitté la maison alors que je n'étais encore qu'un tout petit bébé. Mais maman avait fait plus que remplir le vide laissé par le départ de papa. Elle avait été pour moi la représentation même de l'image paternelle. Les troubles du désespoir me poursuivaient partout. Et quand je dis partout, je veux vraiment dire partout. Chérie, essaie de manger quelque chose. Il y a un excellent produit nettoyant sous l'évier. Hein? Eh bien, il faut que j'y aille. J'ai mon bridge à brise, une bar mitzvah à brunch. Oh mon Dieu, ma tête. Tu veux que je te rapporte quelque chose du supermarché? Un peu de produit WC, peut-être? Je ne fus pas long à devenir un véritable paumé émotionnel. J'étais tellement déprimé que je n'avais même pas remarqué que ma psychanalyste, qui avait toujours été strictement freudienne, pratiquait tout à coup sur moi une nouvelle espèce de gestalt-thérapie. Et l'esprit, bien qu'important, n'est qu'une... une très petite partie du tout. Ah, le reste, Melvin, c'est la chair. La chair. Oh, la chair. Et le sexe. C'est le sexe qui nous lie tous à l'intérieur de notre moi. J'aurais dû avoir des doutes. J'aurais dû soupçonner que la société diabolique Apocalypse l'avait acheté. Mais à cause de ma dépression monstrueuse, j'étais comme du mastic, une sorte de pâte molle entre ses mains. Ça a l'air tellement compliqué. Je sais pas par où commencer. Oh, par où nous devons tous commencer. Et par où c'est? Avec ton père. Mon père? Je vous ai dit qu'il était parti quand j'étais bébé, je le connais même pas. Mais ce n'est qu'un obstacle. Tacle mineur. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé que votre père, Monsieur Phineas Junko, plus connu sous le nom de Big Mac, habite actuellement à Tokyo, au Japon. Au Japon? Tokyo au Japon? Oui. Eh bien, donnez-moi son adresse, je lui enverrai un mot. Melvin, ça devient très fastidieux. Vous devez aller le voir en personne. Moi? Aller au Japon? Vous voulez dire que si je vais au Japon pour parler à mon papa, j'irai beaucoup mieux ensuite? Oui! Le Japon? Oh oui! Seulement, je devrais laisser maman et Claire. D'un autre côté, je pourrais voir papa. Oh, papa! Le Japon? Oh, papa! Le Japon! Mais où est le Japon? C'est délicieux. Tu as faim? Tu sais, si Tromaville est là, et l'Alaska ici, le Japon tout là-bas, je vais voyager à travers ces grandes et belles montagnes. Wow! C'est vraiment loin. Je crois que c'est encore plus loin que ne l'est Tromaville de New York. Claire, je ne veux pas te quitter. Oh, Melvin, je crois que ton docteur a raison. Si tu ne vas pas au Japon voir ton père, tu ne seras jamais heureux. Ne t'occupe pas de moi, Melvin. Tout ira bien. Je t'attendrai ici en t'aimant toujours. Rappelle-toi, Melvin, je suis amoureuse. Oh, comment peux-tu en être si sûre? Oh, eh bien, j'ai comme des fourmillements partout quand je suis près de toi. Et j'ai des petites sensations de chaleur dans tout mon corps. Et quelquefois, ma bouche devient sèche. Oui, ça, c'est une réaction biochimique. Oh, non, Melvin. Parfois, je vois des petits... flash électrique qui s'illumine dans l'obscurité.
C'est l'amour, crois-moi. Maintenant, cesse de te tracasser pour moi, Melvin. C'est notre dernier jour ensemble pour un long moment. Que faisons-nous? J'étais tellement pressé de rejoindre mon père que je ne voulais pas être tributaire des horaires des vols réguliers. J'ai donc pris le plus rapide et le plus efficace des moyens de transport pour le Japon. D'abord, j'avais du mal à me faire à l'idée que mon père était japonais. Et que j'étais en partie japonais. Mais cela pourrait expliquer mon étrange empressement, si peu américain, de travailler durement, d'économiser de l'argent et de vivre sans carte de crédit. Maman et Claire étaient contrariées parce que je n'avais pas vraiment préparé mon départ. Mais j'avais emporté un dictionnaire Berlitz qui m'offrait un vocabulaire riche de belles phrases japonaises et loué une cassette de Gidget intitulée « Mon voyage à Tokyo ». J'avais quand même fait une boulette dans la préparation de mon voyage. J'avais oublié mon passeport. Alors, quand je suis arrivé dans le port de Tokyo, j'ai fait un atterrissage forcé à la Godzilla en abandonnant ma planche à voile. À Paris ou à Tokyo? Voyons voir. J'étais censé prendre à gauche ou à droite du canal de Panama? Je ne sais pas. Bon, de toute façon, commençons nos recherches. Je suis en train de vous expliquer le Tokyo Tower. C'est Tokyo Tower! 333 mètres! Comme je ne parlais pas japonais couramment, un des serveurs du sushi bar de Tromaville m'a donné une serviette avec le nom de mon père écrit en japonais. Pour le montrer à des gens qui pourraient m'aider à le trouver. Hé, hey, les deux comiques! Vous ne savez pas où je pourrais trouver Monsieur Big Mac Junko? なんだこいつは。こんなやつ出演者にいたか。いや、すいませんが。応用できたメイクだ。誰が作ったのか。本物だ。
Même loin de la maison, j'avais gardé les habitudes que maman m'avait apprises. Et donc, je continuais mes recherches pour retrouver mon père. ちょっと参拝客の方に聞きましょう。その頭はパーマですか？いや、腰が痛いんです。腰が痛いんです。腰が痛いんです。なんかじゃないけど腰が痛いんです。効くんですね、これが。素晴らしいや。 Ça a l'air bon. Je peux en avoir un? Un pour moi. C'est quoi? Oh, ton yaki. Grignotais mon délicieux taiyaki, soudain mes traumatons devinrent fous furieux. Mon corps réagissait à la présence du mal. Jinki Desuka, les mecs. Pourriez-vous tenir ça une minute? Mes traumatons sont en action. Tenez. Oh!
fait chabreau. Soumimasen. Soumimasen. Chabou, chabou, non de qui agari. J'ai obtenu un peu de chabou japonais. Les salsifis, c'est lourd pour l'estomac. Merci beaucoup. J'aurai toujours une dette envers vous, cher monsieur. Ah, ne m'appelez pas monsieur, mon nom est Melvin. Appelez-moi Melvin. Et moi, c'est Masami. Ashima Mashita. Vous vous êtes mis dans une situation très dangereuse. Il y a peu d'hommes qui auraient fait cela. En fait, je n'y peux rien. Comment ça? Voyez-vous, j'ai dans le corps des particules biochimiques appelées traumatons. Je sais que c'est difficile pour vous de comprendre, mais il y a quelque temps, j'ai eu un accident qui a affecté ma constitution biochimique. Ainsi, chaque fois que je sens une présence maléfique, ces traumatons réagissent en moi et m'obligent à la détruire. Écoutez, tout de même, je vous dois quelque chose pour m'avoir sauvé. Et je ferai tout ce que vous voudrez. Oh! Vous pourriez m'aider à retrouver mon père, alors? Big Mac Junko, venez. J'ai pas mal de contacts dans cette ville. Masami et moi sommes partis à la recherche de mon père dans Tokyo. Allons demander à cette jeunesse. Ils savent peut-être quelque chose. Masami m'a introduit auprès de tous les durs qui ont une grande pratique de la rue. Vous connaissez Monsieur Big Mac Junko? Tokyo, comme Tromaville, était un endroit agréable où vivre. Les gens avaient beaucoup d'activités intéressantes, comme danser dans la rue. Malheureusement, nous n'avions pas beaucoup de chance dans nos recherches. Je commençais vraiment à en avoir marre. Les habitants de Tokyo étaient incroyables. Ils faisaient l'impossible pour me distraire. Devant tant de délicatesse, je prenais un visage heureux et faisais de mon mieux pour m'amuser. Ça a l'air bon. Tiens, prends ça. Oh. Attends-moi ici, je reviens tout de suite. Viens, suis-moi. Masami m'a déguisé pour que je ressemble parfaitement à un homme d'affaires japonais. À présent, je me fondais totalement dans la masse et je me sentais beaucoup plus à l'aise. J'avais un look et un parfum d'authenticité tellement professionnel que papa aurait été vraiment fier de moi, si je l'avais localisé. Pendant ce temps-là, à Tromaville, le président malfaisant et ses associés saisissaient l'occasion de mon absence. La société Apocalypse s'installa de nouveau à Tromaville et commença systématiquement à répandre sa pollution chimique sur toute la ville. Nous devons profiter des terrains que l'on s'est appropriés à Tromaville pour développer tous nos projets. À présent, il faut se mettre au travail. Dans une démonstration d'une incroyable arrogance, le nom de notre ville avait été changé pour s'appeler Apocalypseville. Et les gens sans défense ne pouvaient que s'incliner. Sans moi pour combattre le mal, la société Apocalypse était en mesure de maîtriser tous les secteurs. Ils prirent le contrôle de l'industrie de Tromaville.
pire encore, ils exerçaient aussi leur pouvoir sur la vie culturelle de Tromaville. Les petites gens de Tromaville étaient miséreux. Mais comment pouvais-je le savoir? J'étais à 10 000 miles dans un pays où ils mangent des nouilles en plastique. Les Tromavilliens essayèrent de protéger leur ville de l'invasion de produits chimiques, mais ils étaient impuissants face au président et ses mercenaires. Peuple de Tromaville, vous ne pouvez échapper aux produits chimiques sans vous fuir vous-même. Je dis qu'il faut rendre à la nature ce qui lui appartient, qu'il faut remettre dans l'air, dans l'eau et dans la terre, tous les produits chimiques, les fluorocarbones, les DDT, la dioxine qui se trouvait dans leur milieu naturel, paisible depuis des siècles, avant que l'homme ne vienne pour les extraire et les utiliser pour lui-même. La population de Tromaville essayait courageusement de résister, mais ils ne pouvaient rien contre les chiens à la recherche de grandes entreprises. Unissez-vous pour protester! Aidez-nous dès maintenant à arrêter Apocalypse dans sa progression! Venez tous à la réunion de ce soir, aidez-nous à combattre la pollution! La société Apocalypse veut installer une plante chimique ici, dans notre parc! Aidez-nous à nous débarrasser de la société qui essaie de mettre une plante chimique dans notre parc! Non, Apocalypse! Aidez-nous à nous débarrasser d'eux! Je vous en prie, il faut protéger le parc, empêchant Apocalypse de réaliser son projet! Aidez-nous à combattre la société Apocalypse, allez, venez! Écoutez! Non, la société Apocalypse veut installer une plante chimique dans notre parc! Aidez-nous à les arrêter! Quelques-uns qui avaient des tripes essayèrent de résister, mais sans ma présence là-bas, leur tentative était vaine. Tu veux un bon conseil? Arrête tes provocations, petit gars. Vous ne condamnerez pas ce parc. Ah ouais? C'est un droit légitime? C'est ton cheval qui est là-bas. Ouais, il ne pollue pas, lui. Vive la paix! Eh bien, il sera le prochain à partir. Il y a une drôle d'odeur ici. Ce sont des drogués. Tu vois ce qu'ils fument? Sûrement de la marijuana. C'est juste, ils s'accrochent à la merde. Nous combattrons cette société de dépravés. On se retrouve ici plus tard. Continuez. Allez, ma belle. Marche. Allez, on y va. Avance, ma belle. Les honnêtes citoyens de Tromaville, qu'Apocalypse ne pouvait ni corrompre ni contrôler, était simplement écrasé. Oh, oh. 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 Il n'y a jamais eu de drogue à Tromaville avant que la société Apocalypse n'arrive. Mais ici, nous sommes tranquilles. C'est notre endroit. Personne ne viendra nous chercher là. Ça aurait pu être un peu plus violent. On pourrait pas avoir une augmentation maintenant, chef, hein? Oui, j'y penserai, j'y penserai. En fait, je cherche un couple dans le genre exécutif comme vous. Pour remplacer la réserve d'oiseaux de Tromaville par une plantation fluocarbone. Oh, oh, oui. Qui sont toutes ces personnes? Oh, s'il vous plaît, ce parc reste notre seul refuge. Ne pouvez-vous pas, s'il vous plaît, aider les sans-abri? S'il vous plaît, vous n'auriez pas un peu de fric à nous prêter? Ni emprunter, ni prêter. Shakespeare. Va te faire foutre! Ça, c'est de moi. Mazami et moi avons fait une longue marche avant d'arriver au marché aux poissons Skiji. Voilà. Tu es arrivé. Ton père est ici, Melvin. Je sais que c'est dur à croire. Ici? Sur le marché aux poissons? Mmh. Wow.
On nous avait dit que mon père travaillait quelque part dans le quartier. Le marché aux poissons Skiji était une entreprise de grande envergure. Il y avait plus de poissons morts et puants ici que dans tout le conseil municipal du village de Tromaville. Le fait que mon père travaillait dans le poisson et qu'il devait probablement se laver les mains 15 fois par jour ne faisait qu'accroître ma curiosité. Je me demande à quoi il ressemble. As-tu trouvé quelque chose d'autre le concernant? Où est-il? Est-il grand? Est-il petit? Est-il... Je ne sais pas. Personne ne veut parler de Mac Junko. La seule chose que l'on sache, il se fait appeler Big Mac. Big Mac? Alors mon père est grossiste. Allons le trouver. Par là. Un des coupeurs de poissons nous avait dit qu'on pourrait trouver Big Mac sur le pont des pêcheurs Skutajima, juste derrière le marché aux poissons, là où sont les docks des bateaux de pêche. C'était là qu'il avait son affaire de poissons. Enfin, j'allais bientôt retrouver mon cher papa. La joie m'envahissait. Quel merveilleux moment pour un fils aimant. Melvin, regarde là-bas. C'est lui, c'est vraiment lui. Enfin, mon père. Mes recherches sont terminées. On dirait un gros nounours en peluche. Oh, je l'aime déjà. Papa, c'est moi, Melvin. Papa. Melvin! Mon garçon, mon fils! Viens ici! Tout à coup, il était là. Mon père, depuis si longtemps perdu. Cela allait être le plus beau moment de ma vie. J'étais impatient de le prendre dans mes bras. Mon fils! Alors que j'embrassais joyeusement mon père depuis si longtemps perdu, mes trois matons se mirent tout à coup à réagir horriblement. Il y avait la présence du mal. Et horreur de l'horreur, ce mal était mon père. Mais qu'est-ce que tu as? Moment-là que j'ai vraiment compris ce que c'était que de plonger des hauts sommets de l'extase aux lugubres profondeurs du désespoir. Mon père, depuis si longtemps perdu, était un minable. Allez, il faut attraper ce mec, même si c'est mon père. Nous avons suivi mon père le long des bâtiments de son quartier général, au repère des pêcheurs. Je n'arrive pas à le croire. Mon propre père, trafiquant de drogue. Oh, ceci n'est qu'une infime partie de mon business. Et ça rapporte plus que de faire la traite des blanches. La traite des blanches aussi? Trafic de drogue et traite des blanches. Ta gueule! Tu as encore frappé, Masami. Est-ce que ça va? Tu vas bien? Tu ne veux pas voir la plus grande de mes réussites? C'était déjà assez de découvrir que mon père était un trafiquant de drogue. Mais le comble était de voir qu'il fumait des cigares puants et bon marché. Ça, mon garçon, dans le poisson, c'est ce que nous faisons de mieux sur le marché. Nous récoltons les huiles de poisson qui sont utilisées pour la production. Des antitraumatons! Il y a assez d'antitraumatons ici pour causer une chaîne de réactions qui éliminerait toute
des particules toxines nucléaires en détruisant les éléments défensifs de ton corps, en te rendant aussi inoffensif qu'une flaque de... À vrai dire, en fait, nous ne savons pas de quoi. Et qu'importe. Mais d'abord, mes garçons aimeraient s'amuser avec toi. Il est à vous, messieurs. Cours, Melvin! Sauve-toi, Melvin! Va-t'en, Melvin! Ne t'inquiète pas, je vais arranger ça. Qu'est-ce que vous attendez? Banzai! Banzai. Viens, viens, partons d'ici. Oh non, c'est l'homme du Kabuki. Je reviens tout de suite.佃煮屋さんの前で、佃煮評論家の永井剛先生をお迎えしております。こんにちは。こんにちは。佃煮のことを何でもお聞きください。最近先生はですね、佃煮と願いという本をお書きになりましたけども、どういうことなんですか。これは佃煮には古来よりも魔力がありまして、女性を引きつける、そういう力がございます。ああ、そうなんですか。例えばここにありますね、佃煮。例えばこの佃煮ですけど、これは顔の綺麗な女性を呼び寄せることができる。顔のね、はい。 そして、この佃煮は心の美しい女性、心の美しい女性、はい、この女性は肉体的に素晴らしく、夜が楽しい、いやそういう女性に巡り合いますよ。そうですか。
J'aimerais que tu fasses connaissance avec un de nos meilleurs spécimens du développement anti-traumaton. Il est beau garçon. Tu ne trouves pas toxique? Sashimi a l'air excellent. Ah, tu ne sais pas qui tu as affaire. Tu ne peux pas gagner. Smelvin? Smelvin? Ne m'appelle pas Smelvin. Mon nom est Melvin. Appelle-moi Melvin. Psychologiquement, la possibilité de me battre avec mon propre père me mettait dans une situation inconfortable. D'autant plus inconfortable lorsque tout à coup, il se déshabilla et commença à se tortiller les cheveux. Et avant que je puisse faire la relation avec papa Sigmund, mon père se mit cette couche-culotte. Mon père avec une couche-culotte. Waouh ! Je nageais en plein délire. Je suis le Big Mac. Je suis le Big T. Vous pourrez dire que je suis le grand Big Mac T. Dormir, Smelvin.
Masami savait peu de choses sur les antitraumatons et leurs effets nuisibles sur une créature hideusement déformée, de taille et de force surhumaine comme moi. Mais comme ma condition résultait d'une position de sumo, elle m'emmena tout naturellement dans un centre d'entraînement sumo où je fus remis en forme grâce à des remèdes homéopathiques d'anciens sumo, ainsi qu'à la philosophie sumo et à des exercices sumo. Je m'appelle Shushikuyama. Vous devez d'abord apprendre le rite purificateur. D'accord, nous allons frapper du pied pour chasser le démon. Ensuite, nous nous gargarisons. Avec l'eau de la force. Le sel purificateur. On le jette au milieu du ring. La prochaine étape est le Ninta. Patience et tolérance. Si votre adversaire est de même valeur, le Daki Ai, qui est l'attaque initiale, compte pour plus de 50%. Vous avez rendu service à l'humanité entière en éliminant Makjunko. Aussi, nous vous offrons le Nawashi et le Sagari de notre Eya. Ah, domo arigato. Je vous remercie de votre gentillesse et de votre enseignement. Et vous m'avez sauvé la vie, mais j'ai tué mon papa. Et je suis indigne. Oh, je ne vous oublierai jamais. Je dois partir maintenant. Sayonara. Au revoir, Melvin. Je penserai souvent à toi. Sayonara, Masami. Kimi no katoa. Showa surinai. Sayonara. Oui, je vois. Nintai. Patience et tolérance. Faire l'attaque initiale. Patience et tolérance. Faire l'attaque initiale. De retour au pays, les lèche-bottes de bourgeois qui soutenaient l'association de corruption avaient fait des ravages parmi les pauvres gens de Tromaville. La société Apocalypse avait quelques petits problèmes d'appréciation dans la coordination et le partage de l'appropriation de chacun. Apprendre cette église, c'est la maison de Dieu. Il n'y a aucune force qui me fera quitter ce lieu saint. Oh, vous avez faim. Vous voulez une baguette de bon pain français? Il sort du four. Qu'est-ce que vous faites, les mecs, là? Qu'est-ce que vous faites? Hein? Alors, oh, 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 ma soeur, hein?
Sur le chemin du retour, je ne pouvais me faire à l'idée que j'avais tué mon propre papa. Je me sentais tellement responsable, et ce sentiment de culpabilité fut nettement amplifié lorsque je vis ce que la société Apocalypse avait fait de Tromaville durant mon absence. Pénétrer dans ton territoire. Alors, c'est ici qu'elle vit? Oh, quel dépotoir! C'est absolument fascinant. Cet endroit a besoin d'un bon nettoyage. Et nous allons nous en occuper. J'ai attendu et attendu pour toucher ces belles boucles blondes et cette poitrine lourde comme des melons. Et Salope, elle m'a cassé un ongle! Laisse-moi la tuer maintenant! Laisse-moi la tuer! Ouh, ah, j'ai un explosif toxique pour toi, poulet! Mais maintenant, Toxique était rentré. Et je n'ai pas perdu de temps. Je me suis mis immédiatement à nettoyer Tromaville. Les bons citoyens se sont ralliés à moi. Et que tous ces plans tombait en poussière. Il décida que si Tromaville ne pouvait lui appartenir, il fallait qu'il détruise Tromaville. Le diabolique président convoqua le plus dangereux et le plus fou de ses complices,
le Cavalier Noir. Avec 300 livres de nitroglycérine attachés à sa ceinture, le Cavalier Noir avait pour ordre d'aller dans le centre de la ville pour l'anéantir. Si le Cavalier Noir réussissait à détruire Tromaville, maman, Claire et tous mes amis seraient tués. Et pire que ça, si Tromaville était détruit, il n'y aurait jamais un troisième épisode de ce film. Qu'est-ce que... Désolé, taxi. Je suis Toxic Avenger. Va, vieux. Il faut rattraper ce mec. Dépêchez-vous. Non, excusez-moi, madame. Un peu de place, s'il vous plaît. Merci. Cher citoyen, pardonnez-moi. Excusez-moi, monsieur. Seulement, j'ai besoin de votre taco. Je suis Toxic Avenger et je dois sauver Tromaville. Suivez ce malfrat sur la moto et surtout appuyez sur le champignon. Allez-y. Eh oui, on y va une seconde, mais ça me fait quitter le sud de Bronx. Dites-moi, on va le suivre encore longtemps comme ça? Et j'espère que je vais avoir un bon pourboire. Plus vite! Dépêche-toi, taxi! Allez, fonce! Fonce! Taxi, fonce! Moi, ça va le moral, et vous? Herman, espèce de crétin, je t'avais pourtant dit d'aller au restaurant français. Regarde donc quoi tu m'as entraîné. Eh, ta gueule, c'est dire. On va au chinois, c'est moins cher. Ah oui, tu parles d'un anniversaire de mariage. Allez, les enfants, maintenant vous pouvez traverser. Allez-y doucement. Hein? Non, 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 ralentissez. Non, ralentissez. Tu vois, Jimmy, la sécurité d'abord. Notre contrat, tu es vraiment trop stupide. Et tu la fermes, la vieille, j'essaie de conduire. Oh,
discute. Superbe décapotable. Ouais, c'est vrai qu'elle est belle. Et elle est personnalisée en plomb. Tu devrais essayer ses lunettes de soleil. Et vas-y maintenant, rattrape ce mec. Vas-y, moi. Du brume, c'est pour sûr. Quoi, $978? Joyeux anniversaire, bon, bah, faut que j'y aille, moi. Ça dit, cette fois, nous allons au restaurant français. Oh, Herman, notre 50e anniversaire de mariage est vraiment beaucoup plus excitant que notre lune de miel. Vient de sauver notre ville. Alors c'est vous le Toxic Avenger? Le seul et l'unique. J'ai du mal à croire que tu puisses être mon petit Melvin. Big Mac! Oh, comment est-ce possible? Mildred! Oh, un miracle! Oui, c'est un miracle. J'avais perdu tout espoir de vous retrouver un jour. Papa? Si c'est bien toi, qui est celui que j'ai tué au Japon, alors? Il était grand, assez laid. Il trafiquait la cocaïne à l'intérieur des tout. C'est Big Mac Bunko, et non Junko. C'est la pire des crapules. On m'a confondu avec lui plus d'une fois. Il a ruiné mon compte en banque avec la carte Visa et la Master. Je suis heureux d'apprendre son décès. Viens, papa. Et qui est cette charmante jeune fille? Oh, c'est ma fiancée, Claire. Papa! Oh, Big Mac! Oh, jure-moi de ne plus jamais partir, jure-le-moi! Je resterai toujours avec toi. Oh.
Ainsi, maman, Claire et mon vrai papa, ainsi que moi-même, tous les Tromaviliens, étions à nouveau libres de profiter pleinement de la vie. Et ce démon de président fut contraint de quitter Tromaville aussi vite que ses jambes diaboliques le lui permettaient. Hé, hey, vous voulez monter? Allez vous faire foutre, connard! À présent, je pouvais être fier de moi. Parce que j'avais finalement retrouvé mon identité. Et je savais qu'à tout moment, et où que ce soit, si les bons citoyens de Tromaville avaient besoin d'aide, ils pouvaient toujours compter sur moi. Alors souvenez-vous, si des voyous arrivent dans votre ville et que vous ne savez pas trop quoi faire, appelez le Toxic Avenger!